Regarde le maximum, vraiment, vraiment, c'est très important ça. Regarde le maximum de séries sur Netflix. Tu vois, ça veut dire que là, par exemple, si jamais on est en période de crise, là, c'est là, au moment du confinement, d'accord ? Surtout, comme tu as beaucoup de temps, passe le maximum de temps à regarder toutes les séries possibles sur Netflix. Toutes les séries possibles et d'appeler tes amis après pour pouvoir en discuter. Donc ça, c'est super important si jamais tu veux vraiment devenir pauvre le plus rapidement possible. Passe tout ton temps, dès que tu as un petit peu de temps, boum, tu vas sur Netflix et tu consommes le maximum de séries. Et essaye vraiment de finir genre les saisons le plus rapidement possible. Tu vois. Et comme ça, tu enchaînes sur chaque saison, chaque série, une nouvelle série. Boum, tu essaies de finir la saison le plus rapidement possible. Ça doit être ton objectif. Et là, si tu fais ça, je peux t'assurer, mon gars, que la pauvreté, tu seras dans les premiers. Déjà, juste avec ce conseil-là, déjà, direct. Deuxième conseil super important pour pouvoir t'appauvrir vraiment rapidement, c'est de ne pas mettre d'argent de côté. Surtout, ne mets pas d'argent de côté. Tu sais, les trucs genre, mets 10% de côté, comme conseille le livre L'homme le plus riche de Babylone, par exemple. Mets 10% de côté, même 20%, pour pouvoir prendre des nouvelles habitudes avec un petit salaire. Comme c'est une habitude, bah, tu vas la garder même quand tu vas commencer à t'enrichir, à gagner plus d'argent, augmenter tes revenus. Surtout, ne fais pas ça. Si tu fais ça, gars, tu vas dans la mauvaise direction, ça c'est sûr. Tu commences à mettre d'argent de côté, t'es cuit. Donc surtout, dès que tu as de l'argent, dépense tout. Tu vois, faut vraiment, vraiment, faut qu'il reste rien. Il faut que chaque mois, tu reviennes à zéro. Donc, tu as plusieurs façons, hein, plusieurs techniques. En plus, je dis zéro, le mieux pour vraiment pouvoir prendre de risques, c'est que tu ailles vraiment en mode découvert. Faut vraiment que tu sois à moins à chaque fois. Chaque mois, tu es à moins. Là, t'es au top. Alors, il y a plusieurs stratégies hein, pour pouvoir vraiment arriver à zéro, vraiment moins à découvert. Achète tout ce que tu veux et prends des crédits. Prends des crédits à la consommation pour acheter des meubles, pour acheter des voitures, pour acheter des bijoux, des baskets. Prends tout maximum de crédits à la consommation et déjà là, tu auras déjà un bon départ. Surtout, ne fais pas l'erreur d'essayer d'économiser et après d'acheter les trucs comptants ou d'investir tout ça dans des actifs. Non. Surtout, ne fais pas ça. Parce que là, sinon, mec, tu n'arriveras pas à devenir pauvre. Hein. Ça, je te le dis direct. Si tu commences à mettre de côté, investir dans des actifs, non, ça ne va pas le faire. Donc, surtout, très important, prends des crédits à la consommation et dépense tout l'argent. Troisième conseil, bah, du coup, j'ai pris un peu d'avance, je n'avais même pas vu. Donc, le deuxième, c'était de mettre de l'argent de côté. Et le troisième conseil, c'est bah, de prendre des crédits, en fait, pour acheter tout ce que tu veux. Donc, voilà, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. Donc, prends tout ce qui est possible à crédit. Voilà, dès que c'est possible, tu prends un petit crédit à consommation. Alors, le mieux, c'est de prendre genre des crédits genre revolving, si je prononce bien. C'est vraiment où il y a des taux d'intérêt très élevés. Comme ça, là, c'est le petit plus, c'est le petit bonus. Normalement, tu devrais déjà réussir à être pauvre avec des crédits basiques, normaux, tu vois. Mais si tu prends plus des revolving où il y a 18% de taux d'intérêt, là, mec, c'est garanti, garanti. Lui a prouvé que tu vas y arriver, tu vas devenir pauvre. Sûr. Quatrième conseil, alors surtout, ne fais pas tes comptes. Alors ça, c'est super important. Il faut que quand l'argent rentre, tu sais pas. Faut pas vraiment, je regarde jamais tes comptes. Regarde pas tes comptes genre toutes les semaines pour voir un petit peu genre qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Non. Fais surtout pas ça. Non. Tu fais pas tes comptes, tu vis comme ça. Tu vis comme ça sans regarder tes comptes et puis voilà, tu dépenses normal. Tu vas au KFC, t'achètes des pépitos, voilà, c'est tout. Mais surtout, ne fais pas tes comptes. Ça, c'est une très grosse erreur, les gars. Si tu fais tes comptes là, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Sinon, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Hein. Tu ne deviendras jamais pauvre, je peux le dire.